Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie de Go sur OGS. Donc cette fois-ci, on affronte un joueur deuxième Q. On est deux Q également. C'est une bonne partie. Et on va commencer par un Komoku pour changer. Donc on fait Komoku. Et lui, où est-ce qu'il va jouer Donc on a 20 minutes au temps principal chacun, plus 5 périodes de 30 secondes. Euh, il joue. Oshi, ok. On va jouer, on va jouer double komoku pour voir. On va faire un Shimari. Il va approcher, on va voir ce que ça va donner. Euh, on va faire un chimari un par exemple comme ça, une fermeture de coin, et il va approcher par là, voilà. Euh, et on va essayer d'en choper un deuxième rapidement. Donc ici, ça donne vraiment envie de faire ça. Il va répondre là. On vient ici. Il protège. On vient là et soit il est étend, soit il va approcher jusqu'ici. Pour jouer un peu plus rapide. Après il tente, c'est très bien aussi. Il vient jusque là. Très bien. On protège notre coin. Et il fait euh, il fait année du côté qui l'intéresse. Euh, donc là, il faut. Il faut faire Atari. Il répond. Et on descend ici il peut créer le J en allant ici d'abord comme ça euh, il essaie de voir si on va répondre ici ou euh, par là par exemple euh, imaginons on répond là après il doit pousser on va là il doit pousser on va là non c'est pas il pousse on va ici et ensuite il est étend euh, par ici par exemple plutôt après ça c'est très bien je pense aussi mais il oublie d'autres petits coups, je pense. Après, peut-être qu'il peut les faire plus tard. Mais ça, ça semble gros. Ça ou ça, ça semble gros pour Noir maintenant. Si on vient ici, avec Noir Bloc, on peut couper, je pense. Ou alors on vient là, mais Blanc peut descendre. Et la coupe est dangereuse. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Noir. Ça a l'air d'aller. Donc est-ce que je dois aller en P15 ou en S15 Si je vais ici et qui bloque on coupe et qui pousse d'abord. On a envie de répondre là, mais si on capture la pierre, il peut venir écraser le bord nord. Ça peut être chiant. Donc, si je vais là et qu'il bloque, euh, quand je coupe, quand il vient là, peut-être qu'on dé défend. Et dans ce cas-là, il peut mettre Atari sur ma pierre. On vient ici. Il y a y a escalier. Ah non, parce que quand je reviens là, non, non, ça met Atari. Ok, donc on va pousser ici. On va pousser ici. Ce que je lis, en fait, c'est euh, Quand je viens là, si bloque et que je coupe, si poussait et que je bloque, euh, après il faisait taille ici, je montais. Atari là, j'allais là, Atari ici, j'allais là, mais en fait, il n'y a pas l'escalier parce que ces cinq pierres ici auraient été mises en Atari. Donc il est d'aller là. Et on pouvait, euh, par exemple, pousser et et démolir la, la position ici quoi par exemple mettre double atari donc ça aurait été compliqué pour lui c'est pour ça qu'ici il répond le Toby plus solide très bien je vais continuer je vais pas lui laisser la belle forme ça menace toujours de faire des coupes un peu chiantes c'est un gros coin c'est pas désagréable et ici est ce que je dois faire nobi ou Année, année oui je peux me prendre un Atari, c'est pas les plus belles formes du monde mais... Lui non plus. Lui non plus. Ah peut-être Nobi quand même. Nobi, il continue. Ça donne envie de continuer. Il continue, je continue encore une fois. Ce qu'il y a, c'est qu'ici il pourra aller rapidement au-dessous, donc je vais avoir du mal à développer beaucoup par là. Donc de toute manière. Il n'y a pas beaucoup de points pour noir ici, forcément. Même si ici on se mange une faiblesse, on est quand même très solide dans le coin. Donc voilà, il va plutôt reculer. Et là, on l'écrase. C'est que ça a l'air quand même plus puissant l'impact qu'on fait ici. Plutôt que jouer gentil, où lui il prendrait une grande force sur le centre. Et nous, finalement, des points qui sont incertains. Parce que ce coin, on a envie de l'approcher par là. Pas par ici pour conclure les points là. Ou Auquel cas, il pourrait répondre à Shimari et finalement en faire pas mal. Donc on irait par là. Et alors il s'étendrait par ici. Et en fait il passe au-dessous de la zone de points qu'on qu qu aurait été en train d'établir quoi. Donc c'est mieux d'écraser comme ça. Là il est un peu surconcentré, on voit. On va continuer à taper ici, hein. il aimerait pas euh, un coup par ici pour noir. Imaginons euh, noir joue là, blanc joue ici, on peut faire double année. Blanc certes il a des atariés, hein, mais s'il continue trop les atariés, on peut faire contre-attaque ici, Il capture, et on peut revenir là par exemple. Ce qui prend ses trois pierres. Donc il faut faire attention aux formes le moment on répond on protège notre pierre et il s'en va bien dans ce cas là on fait ça les formes de blanc sont vraiment pas très agréables on va dire après moi c'est pas parfait non plus mais bon euh, et on a le droit de faire ça maintenant ou pas noir euh, blanc C'est pas évident que j'ai le droit de faire ça. J'ai l'impression qu'ici, je peux me manger ça. Tac, tac. Je viens là. Et il vient par ici. Et en fait, quand je fais la terre ici, il peut peut-être sacrifier la pierre tout simplement. On vient ici, il vient là. Bon, c'est pas incroyable ces formes, mais euh, on n'a pas le temps. Là, on a envie de capturer la pierre. Mais dans ce cas-là, ici, il a capturé ces trois-là à prorui. Il n'y a plus qu'à connecter par là. Ici, cette forme-là, c'est un Tsumego assez classique où euh, si noir essaie de fuir, blanc peut venir à l'intérieur. Et d'un côté ou comme de l'autre, ça revient à la même chose. Donc si on essaie de sortir, il nous bloque. Si on essaie de sortir, euh, il nous capture. Donc il n'y a rien. Donc euh, c'est dangereux pour ces pierres-là. C'est dangereux ici. En soi, on a déjà fait assez mal. On l'a complètement écrasé. Donc on va juste faire Nobi. On va encore faire Nobi. Il rajoute un coup par ici Ou peut-être le noobie, tout simplement, lui aussi Non, il rajoute pas. Hmm. Donc là, il se développe de ce côté. Je comprends. Euh, moi, j'aurais bien aimé avoir une pierre par ici également. Mais. Euh, C'est toujours douloureux pour lui par là. On va tourner ici. C'est quand même gros. Ça menace quand même d'aller euh, directement en R10, par exemple. Et vraiment de poser des questions sur ce groupe. Donc, il rajoute un coup. Et nous euh, gagner la le tourner ici là c'est vraiment fort en fait ça c'est Magari quand on tourne euh, quand on fait un angle plein en fait euh, et on voit direct la force en fait de ce groupe on est très tranquille euh, là tout ça c'est connecté hein, si si blanc essaie de venir euh, ici on fait qui on a un chichou directement euh, un Guetta directement là le, les deux pierres blanches ils peuvent pas se s'il va par là on bloque s'il va par là on capture et inversement. Donc là, le, la forme est assez forte, On, il nous restera des trucs plus tard par ici. Euh, pendant ce temps, ce qu'on a envie de faire, c'est choisir, du coup, soit prendre le coin ici, Après, en prenant le coin là, il va pousser de ce côté, hein, parce que au bord sud, c'est très difficile pour lui euh, de développer. Déjà, c'est nous qui sommes installés dessus, assez plat, pour, pour la même raison qu'ici, où c'est difficile de faire des points pour nous. Parce qu'il était plein en face, mais là on est plein en face et encore plus proche. Ce sera difficile pour lui de développer par là. Donc il y a de fortes chances qu'il bloque en C4. On va en D4. Bon, il fait ça en gros. Euh, Je vous montre. Tac. Il y a des chances que ce soit euh, ce genre de Joseki assez classique. Et après, il peut venir par là par exemple. Ou euh, à la place de celui-là, il peut faire un Shimari. Mais en gros, il développerait une zone qui a l'air intéressante pour lui euh, sur toute cette zone-là. Lui, ce qui l'intéresserait, c'est cet endroit-là. quoi. Grosso modo. Et moi en bas il m'écraserait avec une zone qui ferait ça, on voit tout de suite que c'est moins intéressant. Donc euh, ici peut-être pas Sansan, mais plutôt approcher de comme ça. Sur le bord ouest. C'est ça qui est intéressant. Et lui s'il dit euh, s'il est d'accord, je pensais qu'il aurait pincé d'une manière ou d'une autre. Ça aurait pu être intéressant. Bon bah on va s'installer tranquille du coup. Nous ça nous va est classique, il va faire Atari, on répond, il a le choix entre ça et ça, il vient ici, ok, il ne rajoute pas de coup, il vient ici maintenant, il vient dire non non c'est vrai c'est important. Alors attention, normalement ce Joséki est pas fini, euh, normalement ici il rajoute un coup ici, euh, et on vient là et on vient là pardon, donc soit il fait ça, soit euh, il vient ici et non vient là. Voilà, c'est les deux suites de joseki en général. Mais ici, il n'a pas à jouer ça. Donc soit on a le très gros Yossé, c'est ça. Et là, on est 100% vivant. Euh... Soit on a ce coup-là. Et peut-être que je vais faire ça parce que là, c'est vers là que j'aurai envie d'entrer de... un moment. Et il reste pas mal de faiblesses. Hein, quand je joue là, euh, si jamais Blanc vient ici, on aura quand même ce coup-là. Euh, blanc vient ici et on aura ça. Blanc capture. On a potentiellement euh, ça. Blanc doit répondre ici parce qu'il se rend de ces trois pierres. Et voilà, on prend quand même euh, la force sur l'extérieur et on peut aller euh, par là. Je sais pas. On écrase blanc. On prend la force sur l'extérieur. Au maximum il aura ça, mais bon, son groupe n'est en pas encore 100% vivant. Peut-être, je sais pas. L'autre solution c'est... Euh... Je vais faire mon temps. L'autre solution c'est tout simplement de capturer ça. Il descend une fois pour forcer euh... ma descente également. Il vient ici. Je viens là. Il vient ici. On capture. Et euh... il a... Il n'a pas les plus belles des formes. Ça peut être très gros aussi. En fait c'est très gros. Je pense que l'IA aime bien ça tout simplement parce que c'est très gros. Ça nous fait trois coins. Hmm. Ouais, c'est vrai que j'aime bien les points cache. On va prendre ça, c'est a l'air plus simple en plus. Ça a l'air plus simple. Donc là il descend normalement. On descend. Peut-être qu'il tourne une fois de plus d'ailleurs. Peut-être qu'il faut tourner... Je sais pas. On capture et voilà. C'est la forme que je vous montrais. Il vient ici. Là on est tellement solide ici qu'on n'a pas peur des points de coupe. Donc on va faire le double année. Donc année ici, année là. Ce qui menace encore euh, ses formes, hein. c'est encore les mêmes problèmes de forme euh, que là. Et il vient s'étendre de ce côté. Ok, attention, il est assez loin finalement. Il peut y avoir des problèmes assez rapidement. Hein. Là, il y a le point vital de sa forme ici. Donc euh, la forme de quatre pierres ici euh, blanches. Le point vital, c'est ici. Et en même temps, très souvent, on dit euh, le point vital des trois pierres comme ça, c'est à cet endroit-là. Ici, le point vital C3 là serait là, etc. Ici serait là. Cette forme là, le point vital est ici. Donc, tout point vital, est-ce que ça donne envie de le jouer tout de suite Peut-être. Euh, noir, même si blanc vient là. On peut couper tout de suite, non Imatari, on vient là. Mais Atari, on vient là, il y aura Atari sur ses pierres. C'est pas agréable. Donc d'abord, il ferait ça. D'abord, si on vient ici, il ferait d'abord ça, peut-être cet échange. Euh, et après, il protégerait par là. Mince Par là, j'imagine. Mais c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué pour lui. Je pense vraiment que je peux taper dans la forme directement. Et il protège, d'accord. Dans ce cas-là, on va jouer comme ça. Menacer d'attaquer encore plus. Donc là, il va connecter d'une manière ou d'une autre ses pierres, puisque ça a l'air assez dangereux. Il décide d'attaquer d'abord et de couper comme une brute. Hmm. Noir, blanc, noir. Blanc, noir. Blanc, noir, blanc, blanc. Non, ça, ça marche pas très bien. Ok. Ok, il veut du combat. Hmm, Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Il a pas des très belles formes, hein. il y a, a trois angles vides, mais c'est très costaud aussi quoi. En vrai il faut que je projette un peu le, les points de coupe que je joue léger. Par exemple par ici. Là il peut plus vraiment couper. Hein. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Et il y a un escalier qui redirige vers ces pierres-là. Qui se développe également et il développe de ce côté. Ok. Par contre attention à hein, vraiment noir, blanc, noir. On va l'attaquer durement, on va aller jusqu'ici. Et quand il va au-dessous, on va crosscut je pense. Mais il n'attaque pas au-dessous. Hmm. Très bien. Euh, Qu'est-ce qu'il veut faire ici Je ne peux pas faire ça, j'ai l'impression. Est-ce qu'il peut aller là Et là, on a pas mal de points de coupe. Je vous montre. Si je viens ici, il peut aller là. Du coup, j'ai envie de couper. Dans ce cas-là, il peut mettre Atari sur cette pierre. On vient là. Il vient mettre Atari ici. Non, peut-être pas cette dernière Atari. Euh, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. C'est assez compliqué pour ces trois pierres. Je pense que c'est assez compliqué pour moi. Je vais lire encore un peu, mais. Noir, blanc, noir, blanc, noir. Je dis blanc pas trop ici, parce que s'il pousse une autre fois, en fait, il va mourir. Donc attention quand même à son nombre de liberté. Noir, blanc, noir, blanc, noir. S'il monte, on monte ici. Il fait guetta. On a trois libertés. Et dans ce cas-là, on descendrait ici. Il y en a trois aussi. Ah, Peut-être que ça peut... Peut-être que ça peut aller ça au final. Ici coupe, on monte. Si on coupe euh, si il coupe pardon on monte ou là bah du coup là c'est vraiment compliqué c'est assez compliqué tout ça par contre ça donne envie de descendre j'essaie de jouer un peu plus vite puisque j'utilise beaucoup de temps descendre ici oh mais non oh Ouais bah il faut pas jouer plus vite. Hein. Bon bah pff, oui noir blanc noir. Non. Oh là là mais quelle erreur quelle erreur. Bon bah on va monter ici et dire euh, ok grâce à ça on a gagné ce mur. Enfin, je mets que de cette couleur pour le voir plus. On a gagné ce mur dans cette direction mais bon pas fameux non plus. Hein. On va monter encore. Ouais, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. On bloque. Et ici, on n'a pas de bonne manière de fermer ce, cette zone, je pense. On a un kéma ici, mais il peut rentrer. Hein. Ouais. Pas évident. Il se bat pour ça mais il prend un petit peu plus Quoique il peut pas les prendre en fait Parce que s'il coupe On peut aller ici Il est en Atari Mais s'il répond On capture ici Donc ça il peut pas euh, Et là le problème c'est que pour deux pierres de plus qui ne prennent pas vraiment plus de choses Il me donne euh, Lui même il me donne deux pierres qui euh, par contre donnent de la force sur l'extérieur Donc là c'est pas intéressant ce qu'il fait je veux pas répondre à ça, de toute façon il est bien des deux côtés. Si je protège mes pierres, c'est vraiment très lourd. On va jouer ailleurs. On va attaquer ça par exemple. Ou euh, dire fermer par là, mais bon, ça a l'air compliqué de fermer ici. Vraiment très compliqué. On va plutôt attaquer ces pierres et les diriger. Euh... Genre ici, là, euh, clairement, si on peut diriger euh, ces trois pierres noires blanches, si on peut les diriger par là, faire notre force, ça peut être pas mal. Donc, on a envie de jouer par là. Hmm, là ou là On va aller par ici. Peut-être qu'il va jouer ici. Je ne sais pas supprimer tous les trucs, désolé. Tac, tac, tac. Ok, il joue solide. Nous on va venir là, hein. on va approcher son coin. Essayer de se développer un peu à la manière de... Un peu à la manière de... avec laquelle il s'est développé lui-même. Mais sauf qu'il joue de l'autre côté, très bien. Très bien, très bien. Et avec ça, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qu'on me répond à ça Je connais pas trop cette réponse. Euh, J'hésite entre C17 et C16. Faut que je lise un peu. Ah non, ça n'a pas l'air de très bien marcher l'un comme l'autre. Bizarre. Si je fais ça, en fait, il répond là, je viens là. Euh, il peut descendre peut-être. Ouais, il y a quand même des problèmes chez lui, mais euh, je suis enfermé dans le coin. Et si je fais ça, c'est un peu le même problème s'il vient en, en E15. Ça donne plutôt envie de crosscut. Okay. On va se rapprocher de notre pierre. Je pense que c'est pas du tout ça ce qu'il faut faire, hein, mais. nord, blanc, noir. c'est compliqué. Noir, blanc, noir. Est-ce que ça marche ces 17 là Noir, blanc, et ensuite le vent E18. Donc là ce que j'imagine c'est euh, ça, ça, ça. Est-ce qu'il peut en découler Ça a l'air compliqué pour moi. On va plutôt faire ça. Sauf que c'est pas bon. Mais bon. Ah ouais, j'ai pas le choix. Et là il faut soit il joue par là. Par exemple un B16 ça a l'air pas mal pour lui. Ok. Euh... Et moi il faut que j'ajoute un coup par ici. Sauf que c'est vraiment pas bon du coup. C'est vraiment pas bon. Ouais, on fait quelques points ici. Mais on lui donne une force incroyable. Et voilà, il connecte. Ah On peut aller par là peut-être et connecter d'une manière ou d'une autre. Mais là, ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt attaquer par là, sauf que l'attaque est limitée. Parce que dès qu'il joue en E8, il connecte toutes ses pierres. Donc euh, l'attaque est vraiment limitée. Ouais, non, là j'ai pas géré. J'ai pas géré. Hmm. On va venir mettre de la pression ici. Si je cross -cut. Yoyomi. Fatar est là, on va ici, Fatar est là, on vient là. Fatar est ici, on capture, il là. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, Non, un. il n'y a rien de spécial. Je vais perdre une il période, mais j'ai l'impression que, quoi qu'il arrive, il connecte. Si je pouvais séparer et prendre ce quart de Goban, ça aurait été incroyable, mais. Ça ou ça, ça n'a pas l'air de marcher. 10, 9, 8. Là, je veux ça. Là, je vais faire Statari. Ok. Il capture ici. C'est un gros, gros audio, c'est quand même. Euh, et maintenant, il faut que je m'occupe de ces pierres-là. Parce que si je me fais séparer, par exemple, si je joue un coup ici, que je connecte et qu'il joue par là, on voit directement que toutes ces pierres sont un peu en difficulté. Donc, il faut que je joue un coup euh, dans la zone. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, de. je joue par ici s'étendre par là essayer de réduire un peu sa zone à lui tout en agrandissant la nôtre en fait j'essaie vraiment de réduire ça pour agrandir ça quoi grosso modo du coup il essaie de bloquer ok Mais la coupe marche pas trop circule circule ça donne envie de faire ça et de se développer facilement dans cette zone tout en continuant de fermer une zone ici un jour l'eau de noir il sera content de faire un coup par là j'imagine ok coupe quand même pour compliquer la situation euh... hmm. noir blanc noir 10 9, 8, 7, 6, 5. On va aller par ici. Il imaginait ça, j'imagine. Mais ça n'a pas l'air de marcher après cet Atari. Il pensait à un snapback avec ça, j'imagine. Si je capture, oui, il peut recapturer derrière. Mais ça marche pas très bien parce que tac. Tac. Quand il vient là, il faut que je capture cette pierre. C'est pour ça que je disais que ça marchait pas trop le la coupe. Après là il peut reculer, je vais là. Il a le sente. Bah, voilà, tout simplement. Tout simplement, il a le sente. Ok, il essaie de fermer le coin en euh, créant de la J sur cette pierre. Effectivement, s'il joue en J12, euh, il menace de tout connecter et de prendre ces deux pierres en même temps. Donc, on va jouer par là pour fermer et bloquer un peu ça. Maintenant, quand il sort sa pierre, on vient ici. Même s'il coupe, on capture d'abord. Et il vient bloquer de ce côté. Du coup, on avance une fois. Il fait pas mal ici, mais nous on fait pas mal là. On va peut-être finir T. Ouh, il n'y a pas de logi par là. Tac, tac, tac. C'est pas. Noir, blanc, noir. Attends, faut que je calcule ça. Si je viens ici. Qui bloque. Euh... Ouais mais non, à cause des mauvaises formes ici, ça peut va pas passer. 10, 9, 8, 7, 6. Noir. Blanc. Noir. Il faut aller par là d'abord. Et ensuite. Noir. Blanc. Noir. Si blanc fuit comme ça. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Ouais. Et si. Tac. 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 Il fuit comme ça. Hein. Ouais ça marche, ça marche. Si je me trompe pas, ça fait blanc, noir. S'il fuyait comme ça, je disais ça, tac, tac, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Ouais, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de plutôt bien se dérouler ça. Il vient par ici, d'accord. On va forcer là. Non, on va pas forcer là sinon on perd. Euh... Bon, de toute façon, on est obligé parce que maintenant, quand il monte, quand il vient ici, il pourra mettre à taille. Donc, on est obligé de jouer quelque chose. Donc, autant forcer d'abord. on recule par ici. un petit peu de gain. Il vient réduire par là. C'est pas mal. Hmm, qu'est-ce qu'on peut faire nous neuf Impression qu'il y a des coups par ici aussi. 9 8 7 6 ouais, 5, pas trop à cause du manque de liberté ici peut-être pas peut-être pas. Bon, allez, c'est gros de rajouter un coup par ici, c'est vrai. On a pas mal de cache quand même, hein, c'est vrai. On a les quatre coins en fait, et voilà, ah, presque les quatre coins. Et euh, potentiellement du centre, donc c'est vraiment cool d'avoir tout ça. Protéger ici. Ça, ça va devenir gros du coup, un gros dossier. En vrai, il est en même solidement ici. J'ai rien dans le centre de particulier. Hein. Mais j'ai le santé Et ça, ça le fait chier, je pense, de le donner. Je joue d'abord ça, du coup. Non, il joue solidement. Ok. Euh... On joue par là. J'ai l'impression qu'il peut y avoir de la g Noir, blanc, noir, blanc. Noir, blanc. Noir. Non, il n'y a pas grand-chose. Par contre, il y a ça. On peut venir réduire. On d'abord s'il veut. Et ensuite protéger. Euh, ensuite. On peut aller là. Ce que je vise ici, c'est si jamais il joue par ici, on peut aller là. Dans ce cas-là, il jouerait là, mais on peut aller ici. Et c'est pas mal, c'est assez gros. Donc là, il vient là, et j'ai pas l'impression que ça gêne pour notre groupe. Parce que s'il fait l'Atari ici, on vient là. S'il vient là, on a encore deux libertés. On peut enclencher ce truc. Tac, tac. Euh, on remet l'Atari, il vient là. On prend là. Donc ça, ça marche toujours. 10. Il n'y a pas de problème. Et s'il vient là, on peut aller là. 7, 6, 5, non. 4, 3, si. 2. Donc ça, ça a l'air sympathique. Je vais essayer de pas perdre de période de plus. Et s'il bloque euh, ici, bien sûr, on peut aller là. Sauf que là, on aurait trois libertés contre deux. Donc ça prend tout le coin. Donc ça ne marche pas très bien pour lui. Je mets le truc depuis le début, mais je vérifie quand même. Euh, vous le voyez bien ça Je fais ça. Oui, vous le voyez bien. Okay. Le petit doute, juste à la fin qui connecte par ici. Je suis assez content d'aller là parce que la différence de tout à l'heure quand j'allais là, c'est peut-être un peu plus santé En tout cas, ça réduit vraiment pas mal. Et ici ouais comme je vous disais, si je joue là, je viens ici même si mes atari là, je viens là, j'ai encore deux libertés et lui plus qu'une. Donc il euh, n'y a pas de souci. Là, en zone de points, clairement, j'ai ça, ça. On va voir un petit peu ici. On a là, on a ça. On a ici, là, comme ça. On est un peu là. Euh, et on aura, bah, du coup, un peu ici et très peu par là, je pense. Lui, il a ça, ça. hop. 10. 9, ici. 8. Ici. 7. On six, jouer quand même. 5. Euh, il aura très peu pas ici ok voilà. à vue d'oeil on est devant quand même surtout que non il y, même... y a quand même du commis pour lui il y a 6,5 mais je pense qu'on est quand même devant Atari il répond en J1 je réponds en M2 Et ici, il faudrait calculer noir, blanc, noir. Il a rien de spécial, il a rien de spécial. Je vais peut-être essayer de compter un petit peu. Je 75 points, on va dire. Et lui, donc 6 déjà. Oui, il a 45 en fait. Ouais, on est vraiment bien devant en fait. On a 30 points d'avance. Peut-être un, un petit peu moins, peut-être. Euh, J'ai pas le droit d'aller là, c'est ça J'ai pas calculé. Bon, je perds une période. 3, je parle, je 2, parle. Mais on a 25 1. points d'avance, je pense. Il reste 3 périodes. Euh, noir. C'est quoi le piège Il fera ici. Je viens là. Il fait taré Ok, il y a un piège. D'accord. Enfin, pas vraiment de piège, c'est la séquence que j'indiquais tout à l'heure. Du coup, on a un Atari, mais il aura peut-être envie de jouer là parce que c'est. Bon. Non, peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite. Ok, il joue par ici. Ah, j'ai ça, mais il va répondre naturellement ici. Et après, j'ai pas de bonne séquence pour moi ici, alors que là, si je joue ça. Peut-être un peu plus gros. C'est plus gros, sûrement. Après, j'ai des bonnes séquences par ici d'abord. Noir. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4. Juste forcer par ici, c'est bien. Force là. On retire quelques points ici. Et en vrai, j'ai compté aucun point là. Si je joue par là, j'en fais déjà quelques-uns de plus. Euh... J'ai pas compté, j'ai compté pour aucun des deux joueurs, c'est deux PR, d'ailleurs. Ça j'ai compté pour lui, ouais. 10, 9, 8. Ça a l'air plus gros de faire sept. ça en tout cas. Bon, on va reculer. C'est gros ici. Et il va il va se sentir euh, obligé de rajouter un coup ici. Sinon, je jouais euh, à 18. Je connectais tout. Ça fait beaucoup de points. Et ici, non, j'ai plus de manière de tout connecter. Donc il peut jouer ailleurs. Après, ça fait chier de se faire capturer cette pierre, mais... théoriquement il peut jouer ailleurs. Il peut jouer là, d'abord. Forcer ici aussi. On va répondre. Ce qu'il vise la coupe, là. Euh, si je viens là, et qu'il vient ici... Je peux toujours aller là. Donc je viens là. Il va reculer. Je recule. Il prend les pierres, très bien. Il prend les pierres. Dans ce cas-là. Est-ce que je risque quelque chose par ici Ça a l'air d'aller. Ce sera un coup par là, j'imagine, pour euh, prendre les points ici. Si lui il joue quelque chose par là. Ou moi ici, je peux faire combien de points Je peux faire ça fait quelques 9, points quand même. Mais ça c'est gros aussi, je trouve. 7. Parce qu'il a pas envie que je connecte, donc il coupe. Ouais, donc je gagne la pierre, c'est cool. Euh, ça, noir, blanc, noir, blanc, noir. C'est un gros goûter, en fait. Ça. C'est un gros coup qui perd l'initiative, mais c'est gros quand même. Euh, hmm. J'essaie de choper les sentiers, en fait. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Par là, ça a l'air chiant, quand même, pour lui aussi. C'est un gros goûter également. Viens par ici. Ah, avec ce genre de coup, il me force... Bon, déjà, il me force un peu à certaines réponses, mais du coup, je vais jouer par là. De toute manière, pierres, je pouvais pas jouer sur ces pierres. Je ne pouvais rien faire de spécial. Au maximum, Atari, reculé à protéger bon, trop, plus trop de séquences parce qu'il n'y a rien de spécial à montrer euh, je pense c'est du OC on va pas faire ça on va reculer il vient ici très bien il fait des points lui-même très bien il en fait quelques-uns ici en goté mais il en fait euh... Atari, tac, puis monter. Connecter, c'est gros aussi. Parce que si lui, il descend, que je viens là, qui vient ici, je viens là, il y aura peut-être des menaces de coup plus tard, je sais pas. 9, ouais, celui-là, il hein. 4. On peut faire ça aussi. Ouais, non, c'est nul. Non, c'est pas incroyable, mon coup. Bon, il y répond, j'ai la chance, mais. ça Moi, ça me fait pas de points plus, plus que ça. Ça ne me fait pas de points plus que ça. Bon, il y aura Statari qui est gratuit aussi. Mais ça, c'est vraiment gros. Sauf cette pierre quand même. S'il jouait en A17 par exemple, et qu'on répondait et qu'il jouait ensuite en A16, il se faisait dans la zone 1, 2, 3, 4, 5 points. Maintenant, dans la zone, il en fait 0. Et euh, moi, j'en fais 1 ici. Donc là, ça vaut 6 points. Gauthier, mais 6 points, c'est quand même très gros. Euh, ouais, il y a. Quelques problèmes ici, si je vous parle là. Donc, on va répondre par ici. Solide. Il a Statari. Il a cette séquence-là dont on parlait. Et il y a ça qui est gros aussi. On en parlait tout à l'heure. Si je viens là, il peut venir là. Tac, ça vaut deux points, ça. De toute façon, il peut pas prendre ma pierre. Non, ouais, ça vaut deux points. Il vient par ici. Si je vais là. Qu'il force d'abord, je vais là, Qu il coupe. Dix, À l'intérieur, il va forcer, je défends, il défend. Ok, non, je garde le synthé, cool. Je risque rien, blanc, noir. Ici, si je vais là, il vient là, je vais là, tac. Des fois, il y a des séquences qui peuvent être sympas, mais ici, il fait Atari, mais ensuite, euh, plus grand chose. Donc, euh, on va jouer ailleurs. Ça, c'est gros, je pense rien. Ça et ça. Mais je six, pense que celui-là est plus gros. Neuf, Parce qu'on se fait tous ces points-là sur, alors que s'il force, peut-être qu'on devra rajouter plein de petits coups. C'est assez chiant. Hmm. Si je viens là, il peut avancer ici, tac, tac, et je pas ce point non plus. Mais si je, si je vais là, il coupe ici et plus tard je devrais ajouter un coup par là. Si je viens ici, il coupe là. 10. Je vais là. 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, ok 3, fais 7. 2, et Si je 7. ici, coupe si 10, vais là là, reste 2 personnes je vais là 10, 10, 10, 10, 10, là, je vais là. Je fais... okay, 7 compte 6 points j'ai l'impression si je compte pas mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alors que dans l'autre ici j'en faisais aucun du coup et et là j'en faisais que 6 donc ouais ça vaut le coup les deux, les deux étaient goûtés de toute manière euh, qu'est-ce qu'on peut faire 10, 9, 8. Ça menace quoi ça ouais, C'est juste si vous voulez pas l'atari. On va forcer ici, ça menace l'Atari. Et bien sûr, s'il si répond, on capture tout. Ça c'est Sente. Ok. On peut forcer par ici. Il va peut-être faire cet Atari d'abord. Il regarde s'il n'y a pas des petites choses avec les coupes ici. Il regarde si en faisant ça, il n'y a pas quelque chose quand je me défends ici. Après, oui, non. Donc, il va regarder si en jouant d'abord par là, il n'y a pas des petites choses. Du coup, il retire une liberté de plus. Donc, à moi de vérifier s'il n'y a rien. Hein. Euh, parce qu'effectivement, ici, bon, on a une liberté là. Mais quand il n'y aura plus de liberté là, par exemple. Tac. On fait Atari ici. Il monte. On va là. Et Atari là. Tac. Tac. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Mais il faudra faire gaffe. Dès qu'il y a plus cette liberté, il faut... il faut jouer avec. Ok, il vient par là. Bon, il reste des coupes hein, Ça, ça, ça. ça. Celui-là, hein, parce que c'est Atari. Mais après protection, j'ai l'impression parce que si blanc. 10. 9, noir, blanc, 8, Atari, tac. 7, 6, Ensuite, il a Atari, puis ça, 4, je sais pas. 3, 2, 1. Pas trop envie de une période. Euh, imaginons qu'il n'y a plus de liberté ici. Blanc, noir, blanc, tac. Donc, le pierre blanche, elles ont deux libertés encore. Il fait Atari ici. On répond là. Nous, on a deux libertés pour les deux groupes en fait il peut pas aller là parce qu'il s'est auto atari en fait non il y avait rien ici ok il n'y a rien ici c'est juste qu'il pourra plus bouger à l'intérieur en fait même si cette liberté est déjà comblée tac je risque rien s'il vient là atari puis on Il reste que des côtés, des deux côtés, j'ai l'impression. Tac, mais il en a tari. On a ça. Il répond, je réponds. Quoique je joue ailleurs pour l'instant. Euh... C'est un co, en fait. Il restait quoi Tout est fermé ici, tout est fermé. Ok. Peut-être qu'il reste qu'à ça, en fait. Hein. J'ai dit que je joue ailleurs, mais s'il reste que ça. Ouais. 9, en fait. 8. Tout 7, 6, 5, 4, 3. Je vois pas. Peut-être parce qu'il n'y a plus rien. Je vérifie une dernière fois. Blanc, noir, blanc, noir. Ouais, il peut rien faire. Il peut rien faire spécial. J'avais peur, en fait, quand je voyais la séquence après avec les et tout. Mais non, mais j'ai une pierre en K10 en plus direct. En fait. Ça va. Il joue les dames. Très bien. Quelque chose ici? Blanc, noir. Blanc, noir, blanc, noir. Y a rien. Hmm, il veut jouer les damés. 10. On peut jouer les dames. Blanc, noir. Blanc, noir. On a deux libertés ici pour chacun des groupes. Ok. Pass. Pass. enlever les pierres mortes ça a l'air ok et du coup on est devant de 30 points ouais, 29 et demi pas mal pas mal pas mal hop vous avez on accepte gagné. on lui dit merci pour la partie et vous je vous dis si vous avez apprécié cette partie justement n'hésitez pas à mettre un, un petit pouce bleu comme d'habitude euh, et si jamais c'est pas le cas, et, euh, si vous avez jamais vous n'êtes pas abonné et que vous êtes arrivé jusqu'ici, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être prévenu des autres vidéos du même genre. Ça ferait très plaisir. Merci beaucoup. <laughs> des fois je cherche les mots et je trouve pas. Euh, voilà, c'est à peu près tout. On a vu pas mal pour la partie les points qui étaient importants. Hein. Donc on va s'arrêter là et je vous dis à dimanche pour euh, de nouvelles parties ou à ce soir pour ceux qui viendraient en stream. Je la poste à 18h le jeudi, donc c'est à 20h30 le stream. On va faire des batailles de Tsumego, si jamais vous voulez venir. Bon, je sais bien que quand je dis ça, ce sera pour ceux qui auront vu direct la vidéo et ce sera une demi-heure, une heure après. Mais bon, au cas où je dis ça, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Allez, salut